Allez, c'est une frappe captée par la troisième base. Mais elle était difficile, donc bien bloquée par la troisième base. Mais ça permet tout de même à Mesa Mayo de rejoindre la première et à Lena Selam de rejoindre la deuxième. Et les Françaises. Allez, c'est une balle sur Mélissa Mailleux qui la gère tranquille. Et c'est un premier retrait. Allez, Mélissa Mailleux qui récupère la balle et qui élimine la coureuse en deuxième base. Ouh, belle frappe entre le champ centre, la champ centre et la champ droit. Et c'est un double. Isabelle Marquise, deux Coupes du Monde à tentative de pick-off en deux. Allez, pour retenir la coureuse. Fall ball. Frappe solide et c'est dedans. Ça va permettre à Lena Selam de rentrer. Mélissa Mailleux arrive en deux à une line drive puissante qui malheureusement nous a été un peu cachée par le dugout des Françaises. Et là, c'est une frappe qui va passer derrière la deuxième base et qui tombe. Et Mélissa Mailleux va scorer le troisième point des Françaises. Et d'ailleurs, regardez, c'est un vol, mais c'est une pop. Et elle est revenue à temps sur sa première base. Si le joueur, le manager traversait la ligne, il l'expulsait direct. Pour affirmer son autorité. Et là, c'est une frappe sur Mélissa Mailleux. Oui, il faut prendre une décision à l'instant T. Je m'imagine qu'ils sentent certaines pressions aussi. 10 et 15% des fois. Ouh, frappe solide, mais qui monte très haut. Très haut. Et c'est dans le gant. Les Néerlandaises en contre-attaque, mais là c'est une pop en infield sur Mélissa Mailleux. Et les Françaises s'en sortent très très bien. Allez, Mélissa Mailleux qui sur sa relève face aux Pays-Bas avait obtenu un save. C'est la France qui sera championne d'Europe. Et ça commence par un strike. Allez, on sent que ça s'excite dans le public. Et oui, on arrive à la dernière manche. Eh, c'est une frappe sur la première base. Rosiliard qui gère avec Mélissa Mailleux. Premier retrait. Longtemps dans les catégories jeunes, en baseball, en softball. Avec Montpellier en D1. Avec Miami Dade. Fall ball, on voit bien un peu de dimension. Ouais. Ouh, hit by pitch. Ouais. Un retrait, coureuse en première. Swing and the miss pour la néerlandaise. C'est une frappe et c'est la victoire incroyable. Une frappe directement dans le gant de Rosiliard en première base.